Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945 et j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 8 sur Resident Evil 6. Nous continuons la campagne de Chris Redfield. Dans la dernière vidéo, eh bien, après s'être débarrassé du serpent invisible, nous étions donc toujours à la poursuite de Ada Wong et Chris et Pierce. Eh bien, ont dû se défaire de divers ennemis, d'un encore un hélicoptère de combat. Et puis, on a revécu la scène hein, qu'on avait déjà vécue dans la campagne de Léon, où Chris et Léon s'affrontaient pour savoir bah, qui c'est qui allait poursuivre Ada, etc. Et puis voilà. Et donc là, nous sommes donc toujours à la poursuite de Ada Wong, qui, elle, s'est enfuie à bord d'une voiture sportive. Et ben nous, on va la poursuivre dans un véhicule de l'armée. Donc c'est certainement un véhicule du BSA, équipé de, comment on pourrait appeler ça, une tourelle quoi, qui va nous permettre de détruire, voilà, les Ici ennemis. Pierce Nevans. Ada Wong se dirige vers le port militaire au sud. Il faut que tout le personnel soit en alerte. S'en faites pas. Alors, par contre, la vidéo, c'est... La visée, elle est un petit peu horrible, là, je trouve, là. Là et c'est à peine que je touche et on est déjà de l'autre côté. Maintenant, tiens. Bah ah il a poursuivi aussi les caveaux. Je crois que ça sert à rien de tirer sur elle. Rendez-vous Ada, c'est fini. Ah, mais il y a de la micro dans... dans la voiture là, parce qu'il met un coup de turbo, mon frère. Ok, on avait eu deux coups sur coup là, ça c'est pas mal. Tu te débarrasseras pas de nous si vite. Je suis le meilleur pilote du BSA! Bon là on envoie le Fast and Furious un peu mais Alpha répondez! Ici Delta! Il paraît que vous poursuivez un Dawan! On essaie de s'accrocher ici! On tirera pas autant! Arrêtez cette femme avant que les choses empirent! Ne vous en faites pas, soldat, ce sera fait! Protégez ces civils! Bien reçu! Bonne chance! On va peut-être ah oui, mettre fin à ce merdier. Je me souviens qu'à un moment, bah, ça va être là. Ça va être chiant. Enfin, chiant. C'est pas que ça va être chiant, mais ça sera pas forcément à cheville. Thank you.
vu que c'est toi qui conduis, mon gars, fais en sorte qu'on se prend pas un poteau ou un truc. Pourquoi il racle le côté? Oui, on essaie de se oublier. Oh, l'embuscade. Ça. Pourquoi je joue Ah, j'ai cru que je jouais pire ça à un moment, mais pas du tout. Par contre, on s'est bien fait amocher là. Hey, prenez votre arme, prends le volant. Ok, c'est à nous de conduire maintenant. Accrochez-vous! Chacun son tour. Et voilà! Il s'enfuira pas encore. Vous nous échapperez pas, Ada! Ah, donc il faut pas se faire distancer. Ouais, donc on a une sorte de turbo. Là, je l'ai surpris passer celui-là. Finalement. Parce que je faisais pas attention à la distance, mais... Wow. Aïe. Ok, fin du chapitre, Pro 3, les nerfs à vif, petit trophée. Voilà, très très bien.
Alors on a bu. Ah bah non, on l'avait déjà mis les munitions pour notre bateau pourtant. Alors qu'est-ce qu'on peut améliorer? Arsenal, on peut pas améliorer. Non, on peut pas améliorer donc. Il n'y a rien à améliorer. Pierce. Hein? Ça va, capitaine. Ah oui, ces nouveaux ennemis-là, là. Bon. Nouvelle forme de Jabot. Restez planqués, ils nous ont dans le collimateur. En avant. J'y vais. J'y vais. Les nouvelles formes de Jabot, mais alors, eux, sont, c'est les pires. En avant. J'y vais. Ah, imitation. En avant. Yes. Yes. Attention, ces ennemis sont différents. Alors ce sont les meilleures armes de Nero Umbrella. Un fusil sniper avec les munitions qui vont avec. Sauf que rien du tout, parce qu'on a de la place. Ok, très très bien. Alors, le problème, c'est que... Ah ! Là, c'est quoi ? Donc, grenade à main, je peux pas la prendre. En avant ! Pas d'autres ennemis là. En avant. Non, avec lui, il me couvre d'en haut, c'est ça? Alpha à QG, on approche de Adamant. Ici QG, bien sûr. On doit découvrir où elle se cache exactement. En avant. Non, pas maintenant. Il doit plus y avoir des ennemis, je suppose. Ah, des cartouches acides. Ça aurait été pas mal, ça.
Et oui, parce que je crois que de toute façon, il y a un moment où on va devoir se séparer. Voyons. Tiens, là-bas, c'est quoi ça? Ah non, c'est une grosse tache de sang. Voilà, je vais arriver à parler. Ah, il y a un coffre là-bas. Transformer en truc. En avant, bien sûr. Pas monter Bon, là j'ai une caisse. Ah non, même pas. Ça, au final je crois que c'est depuis le départ que c'est une caisse, mais au final pas du tout. De farfouiller un petit peu quand même, hein. Ah bah je sais comment aller. Non j'ai pas. Ah non, d'accord, donc le truc sert à rien en fait. Très bien, donc ça sert à rien d'aller sur cette caisse. De venir ici, c'est pour se planquer? Oh, vous êtes sérieux?
Bon. Continuons à avancer. Ah, on est bloqué quand même hein, par à certains endroits, quand, mine de rien. Que se passe-t-il ? On monte ces escaliers, vite ! On la laisse pas filer ! En avant ! Non, pas maintenant. Oh ! Putain, il a réussi à me choper. GG à eux, hein, mais... Donc ils nous ont coupé une ligne, on va dire. Chaque fois, je pense que c'est des caisses à récup, mais... Bon, en avant ! C'est pas le moment ! Le monstre, on le laisse. On s'en fiche un petit peu. On va remonter à l'étage. Avant ça. Allez, j'y vais. Ah non, on aurait dû monter. On aurait en dû avant. Monter en fait. Non, pas maintenant. Voilà, c'est bon. On peut retourner en arrière. Il y a un avion ici. Ah.
tire dessus. En avant. C'est pas le moment. Ah oui, d'accord, donc nous on se retrouve là. On va pouvoir réactiver ça. Tout ça pour faire le tour. Ben voilà qui est génial. Qu'est-ce qui pourrait arriver de nous? Comment on va pouvoir ouvrir cette cloison? On va trouver une solution, c'est notre boulot. Vous et moi, on a une mission à remplir, compris? Ouais, compris. On pourrait la faire sauter. D'accord, on revient là et on va devoir tous retaper. Il y a déjà le monstre de tout à l'heure là qu'on n'a pas tué. Hé, Pierce, je sais comment venir à bout de cette cloison. En avant. Non, peut-être qu'à partir de là, on peut sur des ennemis là. En avant. Non, pas maintenant. Mais si, Pierce. S'il te plaît, joue pas ton... En avant. J'y vais. En avant. Yes. En avant. Yes. Tu donnes pas plus de munitions, non? Ok. Donc on va passer par ici.
Quoi? Il arrive. En avant! En avant, j'y vais. En avant, j'y vais. Non. Ah oui, parce que là... En avant! C'est pas le moment! Et il y en a pas un autre? Qui nous a... fait chier là? Non? Ça c'est chiant, hein. En plus là ils vont revenir pas à l'infini, mais bon, ça va revenir par vague. Oui, donc là on est là, on est en mode séparé là. Pierce, ça va? On va finir par se retrouver. Ah oui. Alors là, ça va être chiant. Oui, non, parce que faut que Pierce m'aide. Et il faut qu'il arrive à se débarrasser aussi de. De ses potes. Mais.
Non, non, mais Pierce. Ah, il faut vraiment que je fasse tout moi-même là. Qu'est-ce qu'il est celui Alors le temps qu'il arrive. La cloison est QG Alpha, les combats sont aussi dans la ville. Vous devez appréhender Ada Wong maintenant. Bien sûr, dites à nos hommes de s'accrocher. En avant. Bien sûr. Ah oui, tiens. Je sais pas si on peut les esquiver ou... Parce que vu qu'on passe par en haut... Attends. Bah... Ah non, on est obligé de redescendre. De redescendre. Ce qui est un peu la baise. Ah oui, il y a une... Il y avait l'échelle qui était là pour ça. Est-ce que c'est une blague? Ils sont décidés à en finir. Ah bon? Oui.
Non, c'est pas par là. Oh là, bon, tu dis ça maintenant? Oh oh. Oh là, bon, bien sûr. Ah. Oh. Ah, mais le décor encore! Quoi? Ah! Mais... Comment on est censé passer là? Ah, il y a une porte là-bas. De là. Ah, c'est un gros morceau, hein. Est-ce que vous le sentez se répandre dans votre corps? Je vous donne seulement ce que vous m'avez donné, rien de plus. Simmons, au début, vous aurez peur. Mais n'ayez crainte. Vous devenez juste le monstre que vous avez toujours été. Comme tous les êtres humains sur cette planète. Avec votre famille, vous avez peut-être modelé le monde tel qu'il est. Mais dès demain, je vous assure que tout ça va changer. Mmh. D'accord. Alors. Continue à... Ouais, continue toujours à me tirer dessus, mais ne nous attends pas. Ok. J'y vais. Bah, traversons cette porte. Fuyons. Et on va s'arrêter ici, les amis, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vidéo un petit peu compliquée, hein, mine de rien. Long passage là dans ce hangar. On continuera à poursuivre Ada dans la prochaine vidéo, tout simplement, parce qu'on n'y est pas encore, hein, je vous le dis. Voilà, pensez au petit pouce bleu, au petit commentaire, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, et ça prend 2 secondes, et puis moi, ça me permet aussi d'avoir vos retours, hein, c'est quand même assez cool de savoir ce que vous en pensez. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être certain de ne pas louper les prochaines vidéos, les prochains lives, etc. Je vous dis à très très bientôt, portez-vous.